la vie. Tu sais. La vie, c'est l'essence de ce qu'on est. On ne sait même pas la nature de la vie. C'est quoi la vie? Tu sais. Ouais. On sait que ça commence puis ça finit. C'est ça. C'est à peu près tout. Mais entre-temps, c'est quoi? C'est une forme d'énergie, une forme d'électricité. C'est quoi? Tu sais. Puis Dieu, c'est la même chose. La même question que je me pose. Je me dis, bon, il doit y avoir... il y a un élément, mais est-ce que Dieu... est-ce que les hommes en ont fait? Ben, c'est une forme d'intelligence, une forme de... une forme d'énergie qui n'a pas forcément les mêmes intentions que l'humanité. Tu sais? Puis qui allie à la fois... le, tu sais, je veux dire, quand tu regardes la nature, tu t'aperçois que... bon, la nature, elle peut être sauvage, elle peut être cruelle. Mais c'est ce que parlait de Maupassant, c'est ce que parle un peu Maupassant dans son... dans l'or, là, il parle... sa quête, à ce moment-là, c'est une quête de l'invisible, de l'au-delà. Et ce qu'on ne connaît pas. Et effectivement, toutes les potentialités qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Tu sais, il parle de moi, ça. Le seul message que j'ai, c'est d'explorer les incertitudes. Tu sais, il n'y a rien que ça qui vaut la peine. Bormans, c'est six... Pine. Pine, c'est le nom de la rue. Pine, c'est P-I-N-E. 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 Pain. Pine. Comme pain. Oui, comme pain, oui. C'est ça. C'est l'avenue des pins à Sutton, mais c'est Pine. Et le nom de la ville, là? Sutton. Sutton. Oui. D'accord. Puis j'ai un numéro de téléphone. C'est le 538. 2109. Mais c'est 1450. Parce que là, on pourra faire. On a fait un film ensemble. Ah oui. Il y a déjà 15 ans. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Ah, ok. Nous avons retrouvé camarade Bormans. Ça, on va le couper ça, dans le film. Pas mal, je vais l'avoir. Bon, nous donne la carte, s'il vous plaît. De retour à 11h. Est-ce qu'il n'y a pas de boîte, hein? Tu vois une boîte? Je peux la coincer après la porte. Ah, bah oui. Mais là, dans sa poignée, là. Il va avoir une drôle et drôle, très attaque. Drôle. Mais là, tu l'as pas signé. Ah non, 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 écoute. Il me reconnaîtra. Tu parles. Dans le film, on va couper cette arme. Alors, il est là, là. Oh ben. C'est pas vrai. Oh non. Le fisc belge. C'est pas vrai. Il se cache. Non, mais... Le fisc belge t'a rejoint. Pour une chance que j'ai un chien, parce que sinon, là... Pour... Ah! Pour une surprise, c'est une surprise, hein? La même merde, là. Tu vois, pas en tout. Mais je t'ai laissé ma carte, hein? On a tu m'as laissé ma carte, tu veux pas sonner chez moi, non? Ben, on pensait que c'est là. Moi, je crois que je connais ton adresse. Toi, ah, ben ton oui, adresse, c'est ça, on vient ici, puis il connaît pas mon adresse. Salut Guy! Hey, salut toi, tabarnak! Ah, yeah! Ah, ouais. Il n'en croit pas ses yeux. Hein? Eh non, j'en crois pas mes yeux, tu vois. Mais non, c'est Dansereau, c'est Jean Dansereau qui nous a dit que tu étais ici. Ah, ah oui, ah ben oui, tu sais, c'est vrai. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il est venu. Hey, c'est Roger Blais, il a en vitrine. Ouais. Puis c'est l'acteur justement à Dansereau, c'est ça que je disais, quelle coïncidence. Il essaye de terminer son film, Floralie. C'est bon. Son acteur. C'est son acteur. Ouais, avec Louise Laprade.
Ben toi non plus, mais pas une miette, bien, hein, pas une miette. Toujours aussi délirant. Gilles Vigneault. Les gens lui ont demandé un autographe à l'aéroport. Gilles Vigneault. Oui, c'est comme moi. Il pense. Il y a toujours des bonnes femmes qui me prennent pour. Comment ils s'appellent? Ah oui, oui, Jean-Claude Germain, non? Oh non, non. Hubert Reeves, c'est sûr. J'achète une carte. J'étais en train de regarder. Tu sais, j'étais en train de regarder des cartes de vœux, je sais pas quoi. Puis, entre deux. C'était un espèce de rayon double comme ça. Il y avait un espace de l'autre côté. Il manquait une carte, il y avait un trou. J'étais là. D'un coup, je vois un visage de femme qui me regarde avec un grand sourire. Je dis, qu'est-ce que j'ai? Tu sais, on n'a pas réussi à être une personnalité. Démonstration. Voilà. Pas génial, ça. Alors, regarde. J'espère que je vois tout de là. Donc, c'est un long négatif. Donc, c'est sur un trépied avec un graduateur de degré, probablement. Non, ben, c'est-à-dire... Pas nécessairement. Regarde ici, là, il est marqué ultra wide angle. Tu as une flèche là, puis tu as une flèche là. Ça, c'est le champ couvert. C'est pas tout à fait 180. C'est un peu moins que 180. Et quand tu crinques le truc, regarde ce que ça fait. Tu vois ton objectif pivoté, là? OK, bon, oui, okay. Oui. Maintenant... J'espère vraiment toujours qu'il n'y a pas de fou. Non, il n'y a pas de fou. Ça va. meilleur moyen de regarder. Ben oui, parce que... Non, mais... Pour changer de pièce. Pour mêler ton chien. Fermer la lumière. Alors, regarde, je vais le mettre dans un 1/15 de seconde parce que là, c'est plus clair quand... Il y a seulement trois vitesses. 1/15, 250e, 125e. Ça ouvre quand même à 2,8. Alors, regarde. Ça, c'est un 1/15. As-tu vu la fente passer? Oui, oui, oui. Je vais mettre... C'est pas lunaire, hein? Pas lunaire. Alors, tu vois, regarde, dans le fond, c'est un tambour. Ah, ouais. C'est parfaitement rond. Ah, ouais. Le film, donc, il passe entre les rouleaux, il fait une goutte. Comme tu vois, c'est pas tout à fait 180 degrés, c'est 140, je pense. Okay. Alors, le film est sur une courbe comme ça. Et quand tu déclenches, quand tu le crinques, la fente est fermée. Oui, donc, il peut il pas... marche parfaitement, en tout cas. Ah oui, il marche très bien. Bien. Mais ça, alors, tu auras toujours un petit peu de flou vers le bord, hein, c'est ça? J'ai pas de flou, j'ai de la déformation. Ouais. Ouais. En général, c'est... Oui, mais tu sais, ça c'est le japonais, hein, c'est le Y Deluxe. C'est vraiment c'est ce qu'il y avait de mieux. Ouais. Bon, il s'en fait maintenant, beau, avec des plus grands formats d'ailleurs. Ouais. Oh, d'accord, merci Guy d'avoir révélé ce secret.